sans déconner, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui, mec. Attends, on va essayer de lancer la télé. Bienvenue sur Brookhaven TV. Ah, on est pas bien là? Oula! Ah, j'ai pas envie de regarder ça, on l'a déjà vu. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Ouais, écoute, les Roblox de la télé-réalité, ça on connaît, hein. Bien entendu, Family Life clair. Pareil. Cops, je peux pas blairer les flics, donc ça m'intéresse pas. Hein, ouais, si ça te dérange pas. L'hôpital, bon, voir des gens dans les lits, c'est bon, on entend assez parler. Oh bah tiens, ça me rappelle quelque chose, ça, de la fois dernière, non? Mais bon, ça s'éteint! D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais vu qu'à cause de l'incendie de la fois dernière à Brookhaven, hein, on m'a prêté notre maison. Bon, ouais, c'est ce que je vois. J'ai pas vraiment me plaindre, mais bon. Et tu sais quoi, tiens, en attendant, je vais avoir besoin de pas mal de fric pour les réparer ma nouvelle maison. Enfin, celle que, du moins, tu sais, que j'avais achetée, qui est un petit peu cramée, là, tu vois. Et bah, du coup, tu sais quoi, j'ai une petite idée. On va aller directement se changer, mon gars. On va aller braquer une banque. Oh, carrément. T'es chaud? Eh bah, écoute, c'est pire. Ça tombe bien. Allez, viens. Comme ça, en plus, je te fais visiter au passage. Voilà, donc la petite cuisine, tout ça. Et mec, tu sais. Attends. Bonjour, je suis le professeur Xavier. On est d'accord, hein. On est d'accord que c'est la même personne. Donc comme tu peux le voir, tiens, c'est une maison de style moderne. Bah c'est stylé en vrai. Ouais, c'est stylé de ouf. En plus de ça, dans cette maison, regarde ça, mec. Par rapport à l'autre maison que j'avais pas. Et là c'est une maison d'emprunt, hein. Tu comprends bien qu'ils vont me la... Ouais, j'ai revu passer en fauteuil. Ils vont me la rendre après. Et bah y'a un ascenseur. Oh. Eh, t'as vu, c'est stylé. Et il y a une personne avec un cheval sur le balcon. Très bien. Oui, c'est l'intermittent du spectacle. Je la paye pour faire un peu des animations parce qu'en ce moment à Brookhaven, il n'y a pas grand chose. Voilà. Et du coup, donc ici, bah écoute, nous avons la baignoire. Ouais. Un petit classique, très belle tu vois. De bain. Merci, la c'est garde... gentil. Oh. Et du coup, attends, je pense qu'il faut dans mon. T'es où là? Ah. J'étais dans ton dressing. Et bah justement, je vais. Voilà, attends, je pense qu'il faut. Voilà, parce que pour le braquage. Voilà, c'est bon. Ok, je vais vérifier. Attends, oui, j'ai bien tout dans le sac. Ok, bon, t'es prêt? Ok, super. On prend ma caisse. Voilà. Ok. On va aller prendre ma caisse. Ok. Mais c'est quoi ce monde devant chez moi là? Je sais pas. C'est quoi ce délire? Bon, allez, on va aller au garage. Attends-moi devant le garage. Ah, attends. Il y a peut-être... Ah oui, non, bon, bah écoute, on va faire genre qu'il y a une voiture qui arrive vraiment. Regarde. Attends, le garage il fonctionne très bien. Oh là là. Oh. Parfait. Et alors, tu kiffes? Ah bah, c'est une terrarie. Hein. Elle est pas mal. Une petite terrarie. Eh bah écoute. Okay. Où est-ce que c'est la banque déjà, collègue? Je crois qu'il faut juste descendre et que c'est à gauche là. Ok. Bonjour, je suis le professeur Xavier. Ok. On avait pleuré de rire la fois dernière. Waouh. Tu l'as passé, mon ami. Ok, ça roule, excuse-moi. C'est quoi? Ah oui, Brookhaven Bank. Ok, bon, je trouve que si on se gare ici, je vais être trop grillé. Ou alors, je peux voir. Ok, il y a un van. Oh, les petites ruelles, là. Ok, je vais mettre. Que ouais. Ouais, c'est bien. Regarde. Ok. On va se mettre en position. Oh là là. Oh, c'est pas. Par contre, tu pourras pas ouvrir ta porte, hein, je te le dis. Ah. Voilà, je vais me changer, d'accord? Ok. Ok. Toi, t'as rien d'autre à aller chercher, c'est bon, t'as ton équipement. Si, je vais aller chercher un équipement là-bas, j'ai caché un truc au cas où. Oh, genre dans les buissons et tout? Oh, ouais, t'as tout prévu, toi. Ok, bon, les gens, on va te changer l'équipement. Voilà, on va mettre ça. Ok. Est-ce que j'aurais pas. Non, peut-être un truc un peu plus stylé. Voilà, oh yes. Attends. Ok, très bien. Ah! Je voulais changer. Attendez, je change ma tenue. Voilà, comme ça. Nickel. Ensuite, est-ce que je pourrais pas avoir un truc pour le haut? Comme ça. Oh oui, ça. Ouais, là-dessus. Très bien. Oh, il y a tellement de trucs. Faudrait un truc qui cache. Oh, ça. Oh. Ok. Parfait. Oh, parfait. C'est bon, je suis en position. Enfin, je suis en position. Ok, comment... super. Attends, il me faut une arme. Les armes, je les ai où? Ah oui, ok. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ok, je teste. J'ai mis un silencieux, ils entendront pas. Bon, je te dis quand je suis en position. Ok, je vais devant la banque. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est un hold up. Oh, je me suis mangé la vitre. Excusez-moi. Ouais, y'a personne. Ah ouais, tout est robotisé en 2021, très bien. Bon, c'est un hold up. Envoie la thune. Envoie le cash. On va dire que... Est-ce que c'est HP? Bonjour. Non, mais en fait, je voudrais ouvrir un compte. Mec, il arrive avec sa carte bleue finalement. Non, allez, on va voir ça. Ah, d'accord, ok, c'est pas par là. Je suis novice, ok. Très bien. Ouvre la porte. J'imagine que. Oh, je t'en sors. J'ai éteint les lumières, mais j'ai pas pu braquer l'ATM. On va dire que. Que c'est. Ah, bah. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, nice. Ok, c'était une carte piratée. Et ouais, okay. Elle a fonctionné. Attends, quoi, y'a les flics? Oui! Non! Sous couverture! On va se passer un traître! Ne bouge plus! Non! C'est un état d'arrestation! Poussez-vous! Oh mon dieu, il s'enfuit!
J'aurai jamais. On est à 33-18. J'aurai jamais. Jamais. Cette course poursuite t'en ralenti. Tu m'auras pas. Changer la vitesse 70. Allez, Je suis en première. Allez. Tu m'auras. Ok. Allez, on va sur regarder, on va l'attraper. Non. Oui. Quoi? Non. Oh attention, j'ai pas écrasé personne. Arrêtez-vous. On va passer par là. On va passer par là. On va pas. Oh oui. Non. Non. Vous êtes fermés, vous allez sortir du véhicule, les mains au-dessus de la tête. D'accord, d'accord, ah, attendez. Voilà, je t'ai chargé mon arme. Du véhicule, les mains au-dessus de la tête. Et est-ce que. Vous êtes en état d'arrestation. Il y a moyen de s'arranger ou pas? Non, 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 vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes sûr? Il y a pas moyen de s'arranger. Voilà. S'il vous plaît, allez, petite danse. Allez. D'accord, ok. Bon, bah très bien. Bon, bah ok. Suivez-moi. Ah oui, attendez. C'est bon, je me rends. Je me rends. J'apprends à être criminel, excusez-moi. C'est bon, je monte. Je monte à côté de vous ou je monte derrière vous? Ah bah attention, il y a deux scènes. Ça va pas se passer comme ça. Ah comme ça. Ok. C'est très bien. Et là, C'est exactement comme ça que c'est fait. Là t'as ta chérie quand t'arrives au feu. Ah mais qu'est-ce que... Oui, je me suis fait encore capturer chérie. Ok. C'est écrit criminel dans cette ville. C'est la police. Ça suffit, monsieur, arrêtez de faire le malin. D'accord. Vous avez été pris la main dans le sac. Ouais. Est-ce que je peux baisser les bras au moins? Allez, rentrez à l'intérieur du commissariat. Est-ce que je peux baisser les bras? Baisser les bras. Merci. Bon, très bien. Restez bien calme. Ouais, très bien, y a pas de... Allez, à l'intérieur du commissariat. Oui, monsieur. Bon, j'y vais. J'ai rien, en vrai, j'ai que volé un billet de 20. C'est parce que c'est... Je veux pas savoir. Un billet de 20, c'est rien. Ouais. C'est rien, passer à l'interrogatoire. D'accord, mais vous pouvez venger votre arme, je me sens mal à l'aise. Franchement, des soucis de santé, vous savez. Allez-y. D'accord. Bon, rentrez dans la pièce. Alors voilà. Et vous savez que j'ai été caméraman aussi pendant un temps et... Rentrez dans la pièce. D'accord, vous pouvez ouvrir la porte parce qu'avec la tête. Ma tête. Arrêtez votre cinéma. Attendez, j'ai... Je me sens bizarre, j'ai mal. J'ai mal. D'accord. Non, c'est bon. J'ai compris. J'ai mal la tête avec votre taser là. Ok, c'est bon, j'y vais. Asseyez-vous. D'accord. Ok. Pas de soucis. Je suis content. Okay, on va noter toutes les informations. Très bien. Arrête de bouger. J'ai besoin d'un nom et d'un prénom. Attendez. Non, je me donne rien du tout. Ok, je m'appelle. Je veux des noms. Overspace. Non, vous moquez de moi. Mais si. Faites pas le malin, vous allez rester en garde à vue pendant 72 heures. Mais si, je vous jure, c'est... Vous allez rester en garde à vue pendant 72 heures, monsieur. Mais non. Je veux des noms. Non. Alors. Vous travaillez pour qui? Bon, d'accord, c'est moi, bien joué, vous avez gagné. C'est Feu Jumper. Voilà, Feu Jumper. Peux m'en douter. Allez, suivez-moi. Voilà. C'est la fin de cet interrogatoire. J'en sais bien plus qu'il n'en faut. Faut ouvrir la porte, je sais pas me servir de mes mains. Sortez de cette pièce immédiatement. D'accord. Je voulais juste rire. Il y a des belles armes à feu ici, là, non? Rangez ça tout de suite. D'accord, j'ai rien touché. Rentrez dans cette pièce. Quoi? Non, c'était mon nerf. Vous êtes enfermé jusqu'à nouvel ordre. Je vous laisse tranquille. Ah, sympa l'orage, génial. Ça ajoute une petite part d'ambiance, hein. Ouais. Encore une longue journée. Ouais. Après des mois de trac. Oh, par je suis mon rapport. Je peux enlever mon masque? Attendez. Je peux enlever mon masque. Vous pouvez enlever votre masque. D'accord. Ok, je fais mon rapport. Après des mois de filature, on l'a enfin attrapé. C'était un criminel de grande envergure. Quoi? Excusez-moi, quelqu'un m'a enfermé là. J'ai vu une personne partir avec une espèce de masque à gaz et moi je suis là. En effet, il doit y avoir une erreur, excusez-moi, veuillez, vous pouvez sortir, je ne comprends pas où est passé cette... Et en plus, il m'a volé mes vêtements, il a changé avec les siens. Moi, j'avais un vêtement, un costard, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous sommes désolés, vraiment, monsieur, vraiment. Mais je... Quoi? Je mets... Attention! C'est normal dans la police, ça? C'est normal? Alors, attendez, mais vous étiez pas... D'accord, je plaisante, c'est moi en fait, je, vous faites votre métier, vous avez le droit et... Vous savez, les temps sont durs, Attendez, d'accord, je cherche. je cherche. Que tout va bien, monsieur. Voilà, c'est bon, je l'enlève.
m'enlève et je mets une autre tenue. D'accord, je sais, vous allez m'emmener en tôle, je vais vous aider, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est mort là, vous. Voilà, c'est bon. Le sol est inondé. Comment ça, quoi? J'ai quand même le droit d'aller en prison comme ça ou vous pouvez me ramener chez moi? Montez à l'intérieur du véhicule. D'accord, d'accord. Ok. Bon, il y a du monde, tout le monde essaie de... Tout le monde veut votre mort ou ça se passe comment? Écoutez, je pense que en tant que sécurité, ça va pas se passer comme ça. Ah oui, j'ai carrément Brooke Heaven de marqué sur mon dos, quoi. C'est ah oui, effectivement, il y a une inondation. Sortez de là. Il y avait une prison ici ou quoi? Venez, je vais vous montrer. Mais quoi? Je vais vous mettre à l'abri. C'est normal la procédure pour m'amener dans l'eau comme ça? Oui, tout est normal. D'accord, parce que là, je me les gêne, hein. Je suis en train de construire votre future prison. Ah! Oh bah ça va, franchement, c'est une prison de luxe. Ah bah vous savez, monsieur, nous on traite nos invités, enfin nos invités. D'accord. Ouais, vos invités. Eh bah merci, merci. Veuillez monter tout en haut de l'échelle. D'accord, d'accord. C'est une prison 5 étoiles, c'est ça? Ah, vous êtes. Je sais que vous êtes quelqu'un de. Voilà. De respecté. Respecté. Alors... C'est une ville où je suis très respecté ici. C'est. Veuillez entrer à l'intérieur. Vous avez une mini caméra, oui, d'accord, c'est vraiment un arbre. Une cabane sécurisée, effectivement. Vous êtes surveillé de partout. Ah ouais, ah ouais, eh. Franchement, voilà. Hein. J'applaudis. Vous avez pas honte? Hein. Flic. Alors, comme ça, déranger des pauvres gens comme moi, mettre en prison et vous pouvez vous payer avec l'argent, hein, que j'ai perdu, ce genre de maison. Eh ben, monsieur, vous ne comprenez rien, ceci est votre prison. Je sais que c'est un peu exigu. Ce n'est pas très confortable. Vous allez devoir faire avec. Franchement, j'ai vécu mieux, hein. Là, là, c'est pire qu'une prison, hein. Je suis désolé, hein, mais... C'est pas terrible. Non, c'est... Non, y'a pire. Hein. Là, j'ai envie de dire, c'est inhumain, ce que vous me faites faire, là. Vivre ici, c'est inhumain. Franchement, c'est... Vous êtes enfermé à l'intérieur de ce bâtiment. D'accord. Et y a beaucoup d'orages, hein, par contre. Voilà. Attendez, mon monotone, j'étais en train... Voilà, c'est bon. Ok. Et par contre, je peux pas fermer la porte. Je peux pas ouvrir la porte. Ah bah c'est le principe d'une prison, monsieur. Vous ouais, êtes mais vous savez que c'est encore une fois plus très inhumain de laisser à moitié ouvert la porte. Voilà, merci, merci. Ok. Ah voilà. Écoutez, je pense que pour plus de sécurité, je vais vous amener en prison. Je vais venir avec vous. Ah, ouais, bah c'est gentil ça. D'ailleurs, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai l'impression que vous avez tout ce qu'il vous faut. J'ai même regardé le pognon que j'ai volé. Il est. Ah ben voilà. J'ai pas accès, je connais pas, donc forcément. Et vous savez que je l'ai encore, hein. Oh. Oh. Regardez. Ça veut dire que vous avez aussi encore. Votre arme? Allez maintenant! Tu changes tout de suite! En slip! Oh, allez! Au secours! Tout de suite en slip là! Allez. Ok! Tu veux pas le malin, enlève-moi ces lunettes de bidon là! Tu t'es pris pour Monsieur Grims ou. Monsieur Grims, oui, c'est Monsieur Grims dans Roblox, ok? Voilà! Allez! C'est bon! Avec mon petit bateau, allez, tu vas voir! Bouge pas! Hein. Allez, tu sais quoi? Attends, vas-y, avance! 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 Avance ou je tire! Avance ou je tire! Voilà, allez, vas-y! Je vais t'amener. Vous êtes sauveteur, c'est ça? Je suis en caleçon. Vous êtes maître nageur, c'est marqué derrière votre t-shirt. Vous savez même pas qui vous êtes. C'est mon t-shirt préféré, je ne suis pas maître nageur. D'accord, d'accord. Ouvrez-moi cette porte. Oui, voilà, monsieur. Oh mon dieu. Allez, allez. Je me suis fait avoir. Très bien. Vous voulez vraiment que je saute là? Oui, vous sautez. C'est tout ce que vous méritez, vous sautez. Voilà. Elle est froide. Ouais, ouais, bah tant pis. C'est tout. Voilà, moi aussi je suis froid. Le bout de mon canon aussi il est froid, vous savez. Hein, il va peut-être être titillé et être réchauffé, hein, je vous le dis. Bon, vous savez quoi? J'ai un... Pourquoi vous me faites rire? J'ai un ami dans le coin, qui m'a parlé de vous, qui vous ressemble pas mal. On va essayer d'aller le chercher. Et c'est lui qui m'a payé justement pour vous retrouver. Et ce qu'il s'appelle Charles Xavier, vous le connaissez? Oh mon dieu. Et ben on va aller le voir, il est chez moi, il m'attend chez moi, ok? Ok. Et vous allez le rejoindre dans le dressing. Et il va s'occuper de vous, voilà. Ok. Attendez, attendez. Vous avez de la chance? J'ai un bus dans ma poche. Mais vous avez beaucoup de choses dans vos poches, monsieur. Ah bah on m'appelle Pépin Poppins, hein. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est comme Mary Poppins, sauf qu'il m'arrive plus de pépins. Moi, quand je sors un truc de la poche, bah il m'arrive une bricole. Voilà. Pas rassuré, là. C'est bon. Ouais, parce que je suis chauffeur de bus dans le métier. Ça paye bien, vous avez vu. Bah oui, sacrée maison, hein. Voilà. Donc là, attendez, vous avez passé. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous arrive à votre visage là? Vous êtes effrayé ou vous êtes un zombie? Attendez, voilà qui est mieux. Voilà, c'est mieux, oui, parce que là. Attendez, moi aussi, vous savez quoi? Je vais. Je sais pas le faire. Excusez-moi, vous pouvez. Voilà. Et là. Oh! Billy! Je t'avais dit non! Non!
Mais ah tu viens pas. Bon écoute, tu vois, papa il va te montrer comment on fait. Prends un flingue. Je vais te donner un flingue. Voilà, Billy, regarde comment on fait avec. Voilà, c'est ça, tu mentes. Ok. Voilà. Attendez, je vais ranger mon neveu là, parce que là ça va pas aller. C'est bon. Ok. Oh, il y a un t-shirt Batman. Oh, ah oui, en effet. Attendez, attendez. Moi, il me reste. Voilà. Là, je. Attendez. Ah, vous êtes avec Charles Xavier? Je suis en train de le chercher, attendez. D'accord. Ah, vous allez pas pouvoir le rater, il a deux roues, hein. Ah, je c'est pas une moto. Je crois l'avoir trouvé. Je crois l'avoir trouvé. Oh, je peux viser. Waouh. Oh là là. Ok. Je vous attends de pied ferme, avec style en plus. Donc j'espère que vous allez remarquer mon style. Eh, bonjour. Oh. Charles, comment ça va? Bonjour. Tu t'es occupé de lui, il t'avait volé ton identité, t'as vu ça ou quoi? J'ai vu votre collègue là, merci de l'avoir ramené. Oh. Pas de problème Charles, t'inquiète. J'aime vraiment pas les gens qui se font passer pour moi. Oh, On est d'accord, c'est chiant hein. T'as vu ce que ça fait hein, les fakes hein. C'est chiant. J'ai une bonne dégaine ou pas? Une classe absolue. Ah, par contre, attention, vous êtes un peu blessé à la joue là, ouais. Ouais, et j'ai. Attends, j'ai perdu mon flingue, Charles. Attends, j'en ai un autre. Non, tiens, attends. Ok. On va prendre un truc. Voilà. On va prendre un truc un peu plus puissant. Non, peut-être pas ça. Non, voilà. Ça, voilà. Ça va. Ah, oui. Ouais, voilà, t'inquiète, regarde, je me désarme. Voilà, comme ça. Je pense que ce serait plus simple si par la suite, maintenant. Tu veux que je te pousse Et bien surtout que vous soyez là pour m'escorter en fait, parce que ouais, bien sûr. Dehors vous voyez, il y a attends, des faux policiers qui se... Oh. Vas-y, suis-moi. Que se passe-t-il? Oh. Ah, excusez-moi. Voilà, l'ascenseur, attends, j'ai encore un peu de mal avec... j'ai un peu de mal, attends. J'essaye d'attraper en fait ton fauteuil. Oh. Comment je pourrais faire? Voilà, comme ça, non. Peut-être ça. Ouais, mais non, ça reste pas. Bon, on va dire que je tiens. Allez. Non. Comme ça. Voilà. Allez, vas-y. Regardez. Allez, vas-y. Allez, Charles. Merci, monsieur Xavier. Merci, c'est moi, Xavier. C'est vous, monsieur Xavier. Bonjour, je m'appelle Charles et lui, c'est Xavier. Vous savez de quoi j'ai besoin là? D'une bonne baignade. Ça fait toujours du bien à mes petites jambes. Alors, attends, j'ai oublié, mais dans le coffre du bus, j'ai un autre vêtement parce que je pense que comme ça. Les flics, sachant qu'ils sont... va se faire repérer, là. Voilà, exactement. On va prendre un truc sympa. Regarde, un truc dans ton style. Voilà. Ok. Oh, bah attends, je vais prendre ça. On peut dire que je suis ton médecin personnel. Ah, okay. Voilà. Oh. Parfait. Oh, le camouflage, excellent. Tu as vu? Ça envoie du steak. Ok, on y va. Ah, mais la cicatrice, ça fait vraiment méchant de film, là. C'est... Ouais. Je vais peut-être l'enlever aussi. T'as peut-être raison. Par contre, faut que je descende du bus pour pouvoir l'enlever. Donc, attends. Oui. On peut pas et conduire et se nettoyer la joue. Bien sûr. C'est pas possible là-haut. J'ai plus de vie. Voilà. Oh. Voilà, c'est bon. Regarde. Ah. Je suis un homme comblé et heureux là. Voilà. Vous avez bien bonne mine comme ça. Oh. Ah, d'ailleurs, merci. Je me rends compte que ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Je connais toujours pas votre prénom. Eh ben, je m'appelle Alexandre. Oh, bien bonjour, ok, très bien. Eh ben, moi, c'est Charles, vous le savez déjà. Ah ouais, bah oui, effectivement, Charles Xavier, c'est ça. C'est votre deuxième prénom ou c'est votre vrai prénom? C'est mon vrai prénom, c'est... Voilà, mais excusez-moi, je n'avais jamais vu l'aéroport, donc c'est pour ça. Oui, ça c'est mon jet, on en aura peut-être besoin la prochaine fois, mais... Je ne savais même pas que vous aviez un jet, ah ouais, ça serait bien. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, voilà. Si vous pouviez m'amener à la piscine au centre-ville, là... D'accord, ok. D'ailleurs, vous avez eu un souci avec vos jambes parce que vous avez eu un accident de balançoire, à ce que j'ai cru comprendre. Je préfère pas en parler, je suis encore traumatisé. Y a pas de problème, Charles. En même temps, vu les chauffeurs qui sont ici, je peux comprendre. Du vieux porc, là, ouais, la sardine, voir. Je comprends, je comprends. Voir la sardine, voilà, oui, voilà. Et on est arrivé. Attendez, Charles, attendez. Bon, Charles. Regardez, je flotte. Je vous avais mis des flotteurs sur le. Regardez, Charles, regardez, je vais vous apprendre. Merci. Regardez. Regardez comme ça. Vous êtes bien dégourdi, oh. Ah, regardez comme ça, voilà. On peut faire le crawl, voilà. Ça va aller, Charles? Bédigas, vous êtes bien dégourdi, là, oh. Comme la sardine, tu vois. Allez, viens. Incroyable. Viens, Charles, je vais faire en sorte que tu... Attends, j'ai pas une corde... J'ai pas un truc, tiens. Regarde, Charles, ça va te faire plaisir. Tu sais quoi? Ça fait combien de temps tu m'as dit qu'on s'est retrouvés? Ça fait 3 ans, maintenant. Tu peux sortir de là, s'il te plaît?
Attendez, je m'attrape avec les muscles. Attends, voilà, voilà. Oh. Eh ben regarde, pour mes 3 ans, joyeux anniversaire, Charles. Voilà. Eh, oh arrête, voilà, j'espère que ça va te plaire. C'est quoi? Est-ce que... Eh, t'as déjà réussi à faire le plongeon avec ton fauteuil? Ah bah on va essayer, attendez. Oh, oh Charles! Charles! Reviens, Charles! Ouais, t'as raison, viens, on va aller au parc. C'est quoi, on va s'asseoir là. Voilà! On va pas la balancer là! Quoi? Quoi? Non. Quoi, Charles? Non! Non, 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 tu m'as roulé sur les mains, Charles. Attends, je voulais me mettre en face de toi. Voilà! Comme ça, on peut se partager ça à deux. Voilà! Oh, eh, c'est pas beau, franchement. Eh, c'était une belle aventure aujourd'hui, hein, quand même. Hein. Oh, merci, merci, Alexandre. Bah écoute, avec grand plaisir. Eh bah écoute, les gens, on espère que cette petite aventure. On a essayé de faire comme un appui en RP, vous avez remarqué. Vous a plu, en tout cas. Nous, on a kiffé faire pour la première fois du. On va appeler le RP foiré. C'est nous, ça nous. Le RPF. Le RP foiré. Non, le RP foireux, comme un P foireux. Le RP foireux, exactement. Exactement, le RP foireux. En tout cas, on espère que ça vous a bien fait quand même. On adore Brookeman. Merci surtout. Parce qu'on n'a pas pu le dire, parce qu'on voulait être sérieux, bien sûr. En début de vidéo, pour tous vos retours sur la première vidéo que j'ai fait avec Overspace. Que Overspace connaissait déjà Brookeman, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir ces épisodes à lui aussi également. Il en avait fait 100 mois au départ. Et bah, la découverte de Brookeman vous a énormément plu. Merci beaucoup. On a pleuré. On a chialé de rire. On a chialé de rire. C'est vrai. Non mais avec Charles, j'ai eu du mal à faire le montage pour te dire. Hein, c'est oula, pardon, excuse-moi Charles. C'était terrible. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez avoir d'autres épisodes RP foireux ou plutôt normal pour la prochaine fois. Ça sera bien sûr avec grand plaisir. N'oubliez pas d'acheter un maximum de likes, d'aller voir la chaîne YouTube de Charles, alias Overspace, bien entendu, hein, et de vous abonner aux deux chaînes. Parce qu'il y a des gens qui seraient capables de croire que c'est une deuxième personne. Charles-Xavier. Voilà, c'est pour ça que je préviens. En tout cas, merci à tous, c'était le Jumper Overspace. On dit à très bientôt. Et ciao, les amis.